Dernier jour pour la promotion 2002 du Pôle Espoir. Quel souvenir tu vas garder de ces 2 années passées ici au CRT? Bah, c'était de très bonnes années. On a fait de très bonnes connaissances. On s'est fait beaucoup beaucoup d'amis. Et je pense qu'on s'oubliera jamais. On a passé de très bonnes années ensemble. On a fait de très bons matchs. On a beaucoup progressé niveau sportif et scolaire. Et je pense que c'était de superbes années. On gardera toujours de bonnes mémoires de ces 2 années. Un mot, qu'est-ce que tu vas faire l'an prochain? L'année prochaine, je vais au lycée de la Venise Verte à Niort et je vais jouer au Chamois Niortais. C'était des bonnes années, ça m'a beaucoup plu. J'ai rencontré d'autres personnes et tout. Ça m'a plu. T'attendais à ça si on t'avait dit ça il y a 2 ans? Oui. Quel souvenir tu gardes? Ça peut être un match, ça peut être des moments entre vous ici. La fin d'année, on a fait plein de bêtises, c'était trop drôle. Aussi des matchs, le match qu'on a fait, c'était les meilleurs matchs, je pense. Et ça m'a beaucoup plu aussi. Pour toi, la suite, la saison prochaine, comment ça se passe? Bah, la semaine prochaine, là, je vais retourner dans mon club et je vais essayer de faire mon mieux pour trouver un club. J'ai passé 2 bonnes années ici. J'ai réussi à rester à Sénat, aller intégrer centre de formation. C'est grâce au coach et à Jonathan, ils m'ont très bien aidé. Mentalement, niveau scolaire, j'ai très bien progressé avec eux. Je les remercie. S'il y avait des moments à garder de ces 2 années, tu penseras à quoi spontanément? Les matchs qu'on a gagnés contre Rennes, on a fait un bon cri de guerre, c'était amusant. Sinon, la bataille de Polochon, là, pas longtemps, c'était amusant aussi. Je ressens de la tristesse et de l'émotion parce que bah, le pôle c'était un endroit chaleureux où on a pu progresser pendant 2 ans et j'en garde des bons souvenirs. Si on t'avait dit ça il y a 2 ans, tu l'imaginais comme ça? Non. Quel souvenir, quelle image tu vas garder justement? L'image de la solidarité entre nous dans le coup de solidarité. Il y a des événements, Oui. des matchs en particulier qui te restent? Bah, mon premier match de cette année, parce que j'étais blessé, le Stade Rennais, on a gagné 4-0 et c'était la première victoire de l'année, du coup c'était marquant. Très bien. Et la suite pour toi la saison prochaine? L'année prochaine, je vais au Mans et j'espère jouer en U17 maintenant. Voilà.